Attention, test micro. Oh, ça marcha. Vous écoutez Pierre Bouillet. Mathieu, je l'ai rencontré à l'IME de Château-Gontier. Je revenais du Népal et on me propose d'intervenir à l'IME, faire des interventions musicales auprès de jeunes adultes nés avec autisme. Et on chantait et c'était un grand moment de plaisir pour Mathieu. Et je me suis dit, tiens, ça serait quand même bien qu'on partage un peu notre duo. Et c'est vrai que sur les 100 concerts qu'on a fait, bah c'est 100 fois où il est sorti de son foyer. Et il a rencontré des gens et à chaque fois, moi, je lui demande, mais maintenant, il le fait très naturellement. Enfin, plus ou moins, ça dépend des moments, mais il va dire bonjour aux gens. Et des fois, il rencontre une classe de 6e et il va serrer la main à tout le monde. Et il écoute pas forcément les questions. Ou voilà, c'est compliqué des fois, mais empêche qu'il est dans le lien. Et il est dans le lien aussi sur scène. Alors avec Mathieu, on a une belle date qui va arriver, c'est le 15 mars, on est programmé aux Angenoises, alors on en a d'autres d'ici là, et on sort un album ce jour-là, le 15 mars aux Angenoises de Bonchamp. Alors la musique pour Mathieu déjà c'est vital, c'est-à-dire qu'il vit avec la musique et quand il peut être enfermé, hop, on met de la musique, hop, il se réveille. Avec leur foyer, ils prennent des cours de djembé et dès qu'il y a le djembé, Mathieu il se met debout, il a besoin de bouger. Donc ça montre comment ça le met en vie. On part en pousse-pousse douce et on s'installe sur la banquette arrière. Porte fermée, ceinture bouclée, papa, maman. Ceux qui ont le plus de recul, c'est peut-être ses parents qui m'ont dit qu'il a gagné beaucoup en sérénité et en joie de vivre. Et plus il s'adapte, plus il a l'habitude de s'adapter, moins il a peur et plus il va vers les gens. Et ça, c'est au bout de 4 ans, il y a des grands pas qui ont été faits. On est allé jouer à Paris, on est parti 4 jours en Bretagne, jouer 4 fois. On est partis tous les deux. C'est aussi des moments forts ensemble qui nous relient et ça, c'est beau. Attention, test micro. Oh, ça marcha. Vous écoutez Pierre Bouillet. Mathieu, je l'ai rencontré à l'IME de Château-Gontier. Je revenais du Népal et on me propose d'intervenir à l'IME, faire des interventions musicales auprès de jeunes adultes nés avec autisme. Et on chantait et c'était un grand moment de plaisir pour Mathieu. Et je me suis dit, tiens, ça serait quand même bien qu'on partage un peu notre duo. Et c'est vrai que sur les 100 concerts qu'on a fait, bah c'est 100 fois où il est sorti de son foyer. Et il a rencontré des gens et à chaque fois, moi, je lui demande, mais maintenant, il le fait très naturellement. Enfin, plus ou moins, ça dépend des moments, mais il va dire bonjour aux gens. Et des fois, il rencontre une classe de 6e et il va serrer la main à tout le monde. Et il écoute pas forcément les questions. Ou voilà, c'est compliqué des fois, mais empêche qu'il est dans le lien. Et il est dans le lien aussi sur scène. Alors avec Mathieu, on a une belle date qui va arriver, c'est le 15 mars, on est programmé aux Angenoises, alors on en a d'autres d'ici là, et on sort un album ce jour-là, le 15 mars aux Angenoises de Bonchamp. Alors la musique pour Mathieu déjà c'est vital, c'est-à-dire qu'il vit avec la musique et quand il peut être enfermé, hop, on met de la musique, hop, il se réveille. Avec leur foyer, ils prennent des cours de djembé et dès qu'il y a le djembé, Mathieu il se met debout, il a besoin de bouger. Donc ça montre comment ça le met en vie. On part en pousse-pousse douce et on s'installe sur la banquette arrière. Porte fermée, ceinture bouclée, papa, maman. Ceux qui ont le plus de recul, c'est peut-être ses parents qui m'ont dit qu'il a gagné beaucoup en sérénité et en joie de vivre. Et plus il s'adapte, plus il a l'habitude de s'adapter, moins il a peur et plus il va vers les gens. Et ça, c'est au bout de 4 ans, il y a des grands pas qui ont été faits. On est allé jouer à Paris, on est parti 4 jours en Bretagne, jouer 4 fois. On est partis tous les deux. C'est aussi des moments forts ensemble qui nous relient et ça, c'est beau.